qui se trouve juste ici, c'est un petit Félix. Bonjour. Je suis à Kika. Bon, on est dimanche. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo 24 heures. Je teste Picard parce que j'ai jamais réellement testé. J'ai pris ce que je voulais, sachant qu'il fallait que je trouve un truc pour ce matin quand même, il est 11h. C'est midi, un truc qui fasse un peu dessert et goûter, et un truc pour ce soir. Alors du coup, regardons ça de plus près, donc deux petites brioches perdues. Bon, écoutez, mes petites brioches perdues viennent de sortir du micro-ondes. Écoutez, elles ont l'air bien moelleuses. On va venir couler ça là. Je suis une grande fan de pain et de brioches perdues. Les points positifs, c'est que franchement, la brioche est hyper moelleuse. Franchement, c'est hyper goûteux, c'est super bon, c'est super gourmand. Mais quand tu fais ta vraie brioche perdue, il y a ce côté caramélisé que moi j'adore, que t'as quand elle vient juste sortir de la poêle, quoi. Mais en vrai, c'est un petit déj, si t'as envie de te faire un brunch, etc. J'ai fini de manger mes brioches perdues. Mais c'est vrai que moi il y a ce côté un peu caramélisé qui me manque. Vous savez ce que je suis contente en fait dans cette vidéo, c'est que du coup je vais pas cuisiner de la journée. Bon, du coup on va passer au repas du midi. Il est 14h30, qui est donc les tagliatelles à la carbonara. C'est le repas express qui coûte 2,50€. J'ai terminé mon plat. Écoutez, c'était plutôt bon. Elles étaient bonnes. La proportion est quand même assez satisfaisante. Il n'y a pas trois morceaux de lardon qui se promènent, qui se battent en duel. Je suis bête ou quoi? J'ai pas donné une note pour la brioche perdue. La brioche perdue, je donnerais un... J'essaie de prendre tous les critères en compte, c'est un peu compliqué. Un 7 sur 10, parce qu'en vrai, elle était très bonne. Il y avait juste ce côté caramélisé qui manquait un peu. Et là, pour les tagliatelles, pareil pour le prix. Là, c'est plus pour le concept, du coup, de la formule express, etc., qui est vraiment cool. Un 6 sur 10, parce qu'elles étaient bonnes, pas extraordinaires. Mais ça reste des barquettes, formule express à 2€. Alors là les gars, entre deux fast time, j'ai sorti les profiteroles pour qu'elles décongèlent un petit peu vu que c'est des profiteroles glacées. Du coup il est 17h30, quasi 18h. Il y a deux sachets de chocolat. Là du coup j'ai mes petites profiteroles, là il y en a 6. Alors je trouve le chocolat pas dingue et il n'y a pas plus de goût que ça. Après le chou en soi est super bon, il y a de la glace un peu à la vanille à l'intérieur donc c'est hyper super bon, enfin j'adore moi. Franchement je mettrais un 5 quoi. Bon, et on va finir cette vidéo avec le repas du soir. Alors là, on se retrouve, on est le lendemain. Donc du coup, au programme, nous avons les petites galettes saumon poireau. On va voir ce que ça donne. J'espère que c'est pas trop long à cuire. Donc c'est parfait, on peut les faire 2 minutes au micro-ondes. Et eh ben écoutez, c'est pas mal du tout. Qui est pas une fan de poireaux, on sent pas trop. Enfin, c'est super bon, enfin, c'est hyper goûteux parce qu'il n'y a pas que des morceaux de saumon et des poireaux. C'est hyper bien accompagné. Il y a une petite sauce et je suis contente parce que je mange des légumes grâce à ça. Parce que des poireaux, j'en avais jamais mangé de base. Vous pensez quand même pas que je vais clôturer cette vidéo sans vous faire du coup un petit update. Donc du coup la note que je pourrais mettre à ces galettes, je pense que je mettrais un 7 sur 10 parce que franchement c'était bon et plutôt raisonnable en termes de prix. Du coup si je peux faire un peu une note globale, il n'y a pas vraiment eu de choses catastrophiques. Moi du coup ce qui va se passer c'est que je vais continuer à faire mes courses surgelées à Picard. J'ai de la chance d'avoir quand même un grand congel. Donc bref, dans la globalité je suis plutôt ravie. En plus il y a des produits, enfin ils proposent vraiment des choses hyper variées pour tous les goûts, pour tout le monde. N'hésitez pas à me mettre en commentaire des produits que vous me conseillerez d'acheter, vraiment des choses à Picard qui sont incroyables. Écoutez, je suis ravie d'avoir tourné cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre d'autres idées de vidéos je teste en commentaire. Moi, en attendant, je vous fais des très très gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Me rejoindre sur mes réseaux sociaux parce que c'est là où je suis le plus active quand je ne le suis pas sur YouTube. On vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo.
Ciao, ciao.